Bon matin! C'est parti, gang! Un workout épaule ce matin. Je vais laisser 2-3 minutes aux gens se connecter. Écrivez-moi quand vous arrivez, que je vous vois. Salut Alex! Yeah! T'es avec moi ce matin, pas de marche! C'est good! Alors ce matin, il n'y aura pas de cardio, ça va être vraiment du training musculaire. Donc on va s'échauffer tranquillement, on va réchauffer nos épaules. On va faire le workout épaule, il va y avoir une petite séance d'échauffement. Donc, ça va vous prendre derrière un tapis. On a quelques exercices au sol. Vos poids, quand on fait de l'entraînement musculaire, idéalement, c'est d'avoir une gamme de poids qui varie. Parce qu'on veut que la dernière répétition soit vraiment difficile. Donc, on change la gamme de poids en fonction de l'exercice, de la partie du corps, de la force de notre muscle. Donc, on va y aller. Agrémentez-vous d'une gamme de poids. Moi, j'ai du 1, 5, 8, 10, 12. Donc, soyez à l'écoute de votre muscle. Si c'est trop facile, prenez un poids plus lourd. Si c'est trop difficile, prenez un moins lourd. Puis, au fil des temps que vous allez travailler, ça va être de plus en plus facile. Donc, on va augmenter la charge. Yeah, c'est bon ça, Alex! OK? Donc, bouteille d'eau, vos poids. Si vous n'avez pas de poids, c'est pas grave, surtout si vous êtes débutante, allez-y avec des bouteilles d'eau, des cannes, des conserves, peu importe. Avoir une charge en main, contracter vraiment le muscle. Donc, c'est pas juste de faire ça, mais c'est de contracter le muscle quand on fait la musculation. Sinon, c'est du vide, là. Vous faites rien pantoute. Puis, on contracte quand on fait une montée, par exemple, hop, et on garde le muscle contracté et on contrôle la descente. Hop, on contrôle la descente, OK? Donc, on reste le muscle bien contracté. C'est good? On va partir ça. Donc, on va y aller avec un nombre de répétitions. Je ne mettrai pas le contour ce matin. On va commencer par échauffer simplement les épaules. Donc, on va faire des petites rotations comme ça, avant-arrière. J'étais un petit peu loin ce matin. Rotation avant-arrière. Comme ça, on fait des cercles derrière. Devant. Et faire des cercles avec les bras complets. Devant. Derrière. Faire des petits cercles. Des grands cercles. On contracte les omoplates. Derrière. On va faire des rotations de bassin un petit peu. Venir coller les bras ensemble et on va monter, descendre. Aller au sol. On va faire une planche. J'ai pas eu le temps de me placer. C'est trop tôt du temps. Faire une planche. Sur les mains. Les pieds tendus. Pointés. On reste, on maintient. Pieds tête en bas. On fait juste pousser dans les paumes des mains si vous êtes capable de poser vos talons au sol. Planche.
avance tranquille comme ça. Chien tête en bas. Planche. Avance tranquille. Chien tête en bas. Des hanches, les genoux pas bloqués, légers, toujours les genoux légers quand on fait de la musculation. Donc on maintient bien le poids mais on le serre pas trop fort et on va lever comme ça en alternance. À la hauteur des épaules, ça donne à rien de lever trop haut. Et quand on redescend, on contrôle le mouvement, on garde le muscle contracté tout au long. C'est parti! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Commencez à chauffer. 11, 12. Vous êtes rendu 13, 14, 15. Donc, on se rend jusqu'à la répétition où ça fait mal. Si c'était 10, ça sera 10. Si vous n'êtes pas rendu là, prenez un poids plus lourd. Deuxième exercice du premier bloc, ça va être des rotations levées. Prenez votre poids le plus lourd. Toujours les pieds à largeur des hanches. Et puis, on va venir faire une rotation du bassin et lever le poids haut. OK? La tête suit le poids. D'accord? On reste contracté. C'est parti. 1. Contracter les abdos. 2. On contracte les fesses. 3. 4. Le muscle des bras bien contracté. 5, 6, 7, 8, on contrôle la descente. 9, c'est pas le poids qui fait que ça descend, c'est votre muscle. 10, ça chauffe-tu? 11, un dernier. 12. OK. On reprend le premier bloc. Levé frontal alterné. Je vais monter avec un 10. Les largeurs des épaules, des hanches, c'est parti. 1. 2. 3. 4. 5, on garde le dos droit, les abdos rentrés, on contrôle, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc on vise en 10 et 15 répétitions, mais on doit se rendre vraiment à... On appelle ça l'échec du muscle, donc vous êtes pratiquement plus capable de soulever. On brasse le tout, on revient avec les levées en rotation. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7,
respirer. Gorgée d'eau. Dernier bloc. Let's go. Levé latéral. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. Le dernier. Let's go, let's go. Rotation. En occupant de respirer, contracte les abdos. C'est parti. Ah, je vais en prendre un peu. N'hésitez pas à changer votre gamme de poids. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Yeah! Premier bloc terminé. Salut Mélanie. Salut Lisa. Okay. Deuxième bloc. On va faire le rameur et l'oiseau. Donc le rameur. Soyez attentifs. Toujours les pieds à la largeur des hanches. On va prendre les blocs, les poids qu'on va tenir comme ça. On va venir monter. Donc vous voyez, c'est les coudes qui lèvent. Ils deviennent horizontales. On va faire une rotation et pousser vers le haut. OK? C'est vraiment un robot. Toc, toc. On contrôle le muscle, on laisse le muscle contracté. On lève les coudes. Tourne, hop. On descend doucement, contracte. Descend, ferme. OK? Et l'oiseau, on va prendre des poids plus légers. On va s'envoler. On lève, pas besoin de lever haut, largeur des épaules. Et on descend en contrôlant. Hop, on descend en contrôlant. C'est bon? On part ça. Let's go. Rameur. C'est parti. Hop, hop. Ça, c'est un. Deux. Cool. Hop, hop. 3. On plie un peu les genoux. On rentre les abdos. On rentre les fesses. 4. On garde le muscle contracté. On contrôle le mouvement. 5. 6. 7. Huit. Neuf. Et un dernier. Dix. C'est good. Pas l'oiseau avec des plus petits poids. On rapproche les jambes. Les poids devant. Contracte les abdos, contracte les fesses. On n'oublie pas de respirer et on s'envole. Hop. Descends, garde ton muscle contracté, ramène. 2. 3. Contracte les omoplates. 4. À la montée. 5. 6. 7. 8.
9 et 10. On bouge tout ça. On va passer au rameur. Coucou Lynn. Coucou Martine. On repart ça. Let's go. Hop, tour. Hop, descend. Tour, descend. C'est un. Good. En haut. Pousse. Deux. Respire. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Let's go, un petit dernier. Salut Roxane! Ouais, tu le referas ce soir. Il va être dans la rubrique entraînement comme tous les workouts. T'es prête? Fais l'oiseau. On respire. Abdos coincés. Fesses rentrées. Hop! On descend doucement. Contracte les muscles. Deux. Trois. Quatre. 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Quand vous faites de la muscu, essayez de le faire devant un miroir. Comme ça, vous voyez plus la contraction du muscle, le mouvement, la tenue du corps, la hauteur des bras. On ramène une dernière fois. Ça chauffe-tu, gang? Moi, ça chauffe. C'est parti. Coude, twist, hop, descend, tourne, en bas. Let's go. On contracte le muscle. Deux. On contrôle le mouvement. Les abdos sont rentrés. N'oubliez pas de respirer. Le dos est bien droit. Genoux fléchis. J'ai oublié de compter. 16. Six. Sept. Huit. Neuf. Et 10. Prête pour l'oiseau? Une dernière fois. Salut Sonia. Les omoplates craquent. À quel mouvement tes omoplates craquent pour l'oiseau? Assure-toi que ton dos il est bien droit, que tes abdos sont bien rentrés. Peut-être que tu lèves tes bras trop haut. Comme ça. Let's go! 1, 2, 3, genoux fléchis, 4, abdos rentrés, 5, le dos droit, on respire, 7, on descend en contrôlant la descente, 9, 10, encore 1, 11, un petit dernier, 12. Yeah! Deuxième bloc. Terminé! On bouge tout ça. OK. Prochain bloc, il va y avoir des levées latéraux. Et puis, des pompes inclinées. Donc, les pompes inclinées, vous pouvez les faire sur un step. J'ai amené mon step. Vous pouvez les faire sur une table de salon, sur un divan, sur un pouf. Puis, si vous n'avez rien de tout ça, ben faites-le à terre. Pas grave. Donc,
je vous montre les mouvements. Levez l'apéro. On va prendre encore les petits pois. On va se mettre en position de fente. Donc, un pied devant, un pied derrière. Désaxez un peu vos pieds pour vous assurer que vous avez une bonne équilibre. Un pied devant, un pied derrière, c'est pas important. Mettez-vous comment vous êtes le plus à l'aise. On va venir mettre le poids dans le pied qui est devant. Talon au sol, derrière. On garde le dos bien droit. Les pois sont devant nous. Et on va lever comme ça. On va sentir les omoplates vraiment se contracter. On ne lève pas plus haut que les épaules. Prêt? On rentre bien les abdos. Quand on est en haut, on sent là, les abdos rentrent, les omoplates se contractent. OK? Et puis, pompe inclinée. Eh bien, très simple. On se met au sol. Les mains sur un plan incliné. Donc, ça peut être un step, un divan, un pouce, une table de salon. Peu importe si vous n'avez rien. Faites-le par terre. Les épaules au-dessus des mains. Donc, vos bras sont bien verticales. On rentre le nombril vers les fesses. On garde le dos, l'axe, dos, fesses, jambes. Ça fait une ligne droite. On squeeze les fesses. Et on va descendre le plus bas qu'on peut. OK? Vous pouvez le faire les genoux au sol aussi. Super important de pouvoir être comme ça. Vraiment, l'axe est super important. Donc, on descend et on remonte, simplement. Essayez d'en faire un ou deux, la version normale, sur les pieds. Et puis, ensuite, on passe à l'alternative. Donc, ça va pousser votre corps un petit peu plus loin. Donc, faites-en toujours un, deux, trois, plus capable. Descendez vos genoux, passez à l'alternative. Et ainsi de suite à chaque répétition. C'est good? OK. Alex a dit que ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas travaillé. C'est bon? On part ça avec les petits pois. C'est parti. On se met en fente. Talon au sol. Le poids dans le pied qui est devant. Le dos droit, poids devant. On regarde droit devant. Et on monte. On contracte les omoplates en montant. On squeeze les abdos. C'est parti. Un. On respire. Deux. On lève pas plus haut que les épaules. 3, 4, 5, 6, 7. On contrôle la descente. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mes poids sont passés lourds. 15. OK? On va se mettre en pompe. Let's go, let's go. C'est parti. Les épaules au-dessus des mains. Le nombril qui pousse vers les fesses. Le dos, les fesses bien droites. On rentre les fesses, on descend. 1. 2. Pied droite, contrôlez votre mouvement, placez
6, 7, 8, 9, et 10. Ouh! Fait chaud! Hein? T'as besoin de faire du cardio pour avoir chaud. On retourne. Levée latérale. Dernier. Les gauches devant, poids dans le pied qui est devant. Dos droite. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 et 10. Un dernier, let's go, let's go. On se remet en pompe. Peu importe ce que vous choisissez, l'important c'est de descendre en contrôlant le mouvement. Faites-en 2, 3 réguliers. Après ça, on passe à l'alternative si c'est trop difficile. Quand j'ai commencé à m'entraîner, j'étais même pas capable d'en faire un. Je m'écrasais à terre comme une crêpe. Ayez confiance en votre corps. Il s'adapte très vite à son. J'ai l'impression. Ok. Troisième bloc. Quatrième bloc. Et dernier bloc. Il va être en trois mouvements. Donc, on va se coucher au sol. Est-ce que vous voyez bien si je suis au sol? Au sol. Avec un poids qui est quand même lourd. Droite dans l'axe, la tête sur le bras, ok? On est vraiment couché sur le côté. On va saisir le poids. Le coude doit être toujours à côté, toujours appuyé, ok? Et on va faire peu importe, des rotations, simplement comme ça, ok? Donc le coude reste toujours appuyé et on fait des rotations du bras. On va faire un côté, ensuite on va faire l'autre côté, et puis le dernier mouvement, ça va être des pompes piquées. Ok? Donc on va se mettre en position chien tête en bas, mais au sol, en position planche, et on va pousser dans les mains, lever les fesses au ciel, la tête, les oreilles sont à la hauteur des bras, ok? Et on va faire des pompes, comme ça. On vient déposer presque la tête au sol, ok? Ça va? Ok, premier exercice. C'est parti. On appuie vraiment le coude, bras à 90 degrés. Dans les airs, on peut prendre un appui au sol avec nos pieds pour l'équilibre et on descend. On contrôle. On contrôle la remontée. 1. Regardez devant. 2. Bye, bonne journée. Je t'aime. 3. 4. 5.
Placez-vous. On va à l'autre côté. Toujours, toujours appuyer contre votre hanche. C'est parti. 1, 2, 3. Toujours un bras qui est plus fort que l'autre.
dernier. Ouh! Allez, let's go, on est capable. C'est parti. 8, 9, 10, 11, 12. Wouh! C'est tout! Well done! Bravo, bravo! Restez, restez, on va s'étirer. Ça, c'est efficace. Donc, l'étirement, aussi important que l'entraînement en soi pour éviter les risques de blessures, mais aussi pour éviter d'être trop craqué le lendemain. Donc, je vous rappelle que l'entraînement musculaire de ce type est très, très, très bénéfique en perte de poids autant qu'en prise de masse. La masse musculaire est beaucoup, beaucoup plus lourde que notre gras. Puis la masse musculaire fait en sorte qu'on brûle beaucoup plus de calories au repos. Quand on est assis sur notre chaise à travailler ou à regarder la télé, plus que notre masse musculaire est développée, plus qu'on brûle des calories facilement au repos. Donc en perte de poids, je préconise vraiment une combinaison cardio-muscu que juste du cardio, comme la marche, la course, du vélo. La musculation fait une énorme différence dans votre processus de perte de poids. Oui, c'est vrai que ça peut avoir un effet sur la balance parce que 5 livres de gras, c'est beaucoup plus gros que 5 livres de muscle. Donc, le muscle est beaucoup plus lourd que le gras. Mais la balance, on s'en balance parce qu'on perd du gras, mais on prend de la masse musculaire. Et puis, c'est ce qui fait en sorte qu'on va avoir des résultats plus sains, plus rapides, plus efficaces. Donc, n'ayez pas peur de devenir Arnold. Ça n'arrivera pas avec ce type d'entraînement-là. Et voilà, c'est tout. J'espère que vous avez aimé. Je vous recommande vraiment de vous procurer des poids de différents grades, de différents niveaux pour vraiment travailler adéquatement votre masse musculaire et puis aller jusqu'à l'échec du muscle. Sur ce, bonne journée la gang. Merci d'avoir été là. Écrivez replay quand vous le faites en replay, s'il vous plaît. Bonne journée!